Allez, on y va. Tranquillement, on va s'échauffer. Thank you.
Thank you.
Okay, on relâche. Yes. On relâche bien. Buvez. Je passe celle-là, elle est trop longue. Would you rescue me when I'm by myself? I need your love, I need your help. Would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, honey. Allez, on écarte les pieds. On va venir vers l'extérieur. On va venir mettre son coude ici. Et on se voilà. Voilà. On fait des portes. Thank you.
Quando partir, avançou, o cara vinha levando tudo e eu vou no bote. Continuez au sol. Vous attrapez vos tapis, vous pouvez boire un coup. Du coup, là, c'est parti. Allez, on vient se placer ici sur son tapis. Ouais. Je regarde si vous voyez bien. Je vais me mettre dans l'autre sens, peut-être. Voilà. Alors, pour le premier exercice, on va commencer par un... Ouais, pas trop compliqué. On peut mettre les mains sous les fesses pour protéger votre bas du dos, d'accord? On va tendre les jambes ou les avoir légèrement fléchies, peu importe. Et vous allez écarter vos jambes et revenir. On écarte et on revient. On me serre à fond le ventre. Là, on rapproche le ventre de votre tapis. Je vous mets un petit peu de musique parce que je sais qu'il y en a qui commencent pas sans la musique. Ouais, ouais. Allez. On y va. C'est parti. Go. On souffle en écartant, on inspire. Musique. Quatre,
et même bras. Je vais, au lieu de tendre derrière, je vais ramener mon coude vers ma poitrine et ma jambe, par contre, je la ramène vers là. Ça va, je tends, oups, j'ai le dos derrière, je tends et je ramène mon genou sur le côté. Ok? Vous avez vu, on y va? C'est parti, on tient toujours son ventre, on fait attention à sa tête. Je tends, je ramène mon coude et j'amène le genou sur le côté. J'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Allez, je regarde comment ça se passe à la maison. Si on a du mal à rester sur ses genoux, on peut mettre quelque chose dessous. Ou alors on se met debout et on s'appuie à une table et on travaille la jambe. Ok? Encore deux. Allez, inspire. Et. Ah non, c'est pas celui-là, je me prends. C'est sur le côté. J'inspire et je souffle. Et on revient doucement. Relâchez. Allez, relâchez. Tirez un petit peu votre dos. Parfait. Allez, on a deux côtés. On y va. Oui, oui, on a deux côtés. On y va pour l'autre côté. Donc, je reste dans ce sens-là. Allez, on y va, c'est parti. Faites attention donc à votre poids du corps, soit sur les mains, soit sur les poings. Vous mettez quelque chose sous les genoux ou on le fait debout. On y va, on tend. Et on vient toucher le genou avec le coude. Inspire. Allez, on gagne tout là. Parfait. Trois, deux, un. On relâche un petit peu. Relâche un peu. Si vous avez mal au niveau des poignets, vous secouez un peu là. Et on y va pour l'autre. Donc là, vous allez voir la jambe sur le côté. Attention à votre tête. On rentre à nouveau le ventre. On repousse dans le sol. Je tends et je ramène mon genou sur le côté. Allez, c'est pas le même ça. Hein? On y va. Inspire, souffle. Respirez. Ok. Allez, quatre. Trois. Deux, un, et on relâche. Ok, c'est bon. On relâche. Parfait. On voit. On voit, on voit, on voit. Et on se replace sur le dos, tranquillement. Alors pour aller sur le dos, hein, on y va tranquillement. Soit en enroulant, soit en passant sur le côté. Vous allez là tout simplement venir mettre vos genoux vers la poitrine. On a les bras sur les côtés. Et là, on va inspirer en soufflant. Vous appuyez très très fort, vous comprenez. Et le ventre vers le tapis, on compte. 8, 7, 6, on rapproche les genoux plus près. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche un peu. Il faut que vous sentiez, hein, que vous appuyez très fort, que vous sentiez votre ventre. On referme encore une fois. Inspire. On souffle, on est relâché au niveau des épaules, par contre, là, je contracte mon ventre à fond. Allez, respirez. 8, 7, 6, 5,
masser un peu les jambes, masser un peu les lombaires sur le sol. Ok. Et on va repartir avec les abdos. Un petit peu plus costaud. On va mettre ses jambes en chaise renversée. Je cale juste mes mains ici au cas où ça part. Mais je ne les mets pas sous les fesses. Hein. Les mettez juste là ou alors carrément sur les côtés, c'est au choix. On va tendre sa jambe droite et aller la baisser vers le sol. Je reviens et je replie. Je tends, je baisse, je reviens, je la replie. Ok ? Allez, on y va. On tend qu'avec la droite. L'autre, elle ne bouge pas, elle reste à sa place. Ouais, je tends, je descends et je reviens, je replie. Je tends, je contrôle, hein, ça peut trembler déjà. On peut être en vibreur. Et allez, le dernier à droite. Et vous relâchez, posez un pied, on pose l'autre. On allonge les jambes. Allez, relâche. Parfait. Yes. Allez, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous replacez vos jambes en chaise renversée. Hein. Faites attention à son bas du dos, qu'il soit toujours bien en contact avec le sol. Si c'est trop difficile, on peut garder l'autre pied au niveau du tapis. Hein. Option difficile, donc les jambes comme ça, vous tendez la jambe gauche, on la baisse, on la ramène, on réfléchit. Je tends, je souffle, je remonte, je fléchis. Allez, courage. J'inspire et je reviens. Je tends. Je baisse, je reviens et je fléchis. Je tends, je baisse, je reviens et je fléchis. Encore deux. Allez. Je me fais attaquer par un moustique. Et vous posez pour relâcher. Parfait. Allez, on relâche, on s'étire bien comme il faut. C'est très bien. Parfait. Hein? Allez, on va revenir à quatre pattes. Ouais. Donc, je vais me mettre en face pour vous montrer par rapport au genou. Après, je me remettrai sur le côté. Ouais. Alors, toujours la même position. Si j'ai mal au genou, je garde quelque chose dessous. Je peux le faire debout aussi, appuyé contre quelque chose. Je vais venir amener mon genou vers mon coude. Je tends derrière et j'amène vers mon coude. Le profil. Ça veut dire qu'ici, là, vous allez creuser la taille pour venir amener, pour toucher votre avant-bras. On tend et j'amène. Go, je vous attends, on y va, c'est parti. On se replace bien, serrez le ventre, allongez la nuque. Parfait, allez, creusez bien, allez chercher loin. Et le plus loin possible, devant. Parfait. 5. 4, 3, 2, 1, on reste petit devant. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Allez, relâchez. Allongez le dos. Ok, on va rester de ce côté. Je me pousse. Je ne sais pas si vous me voyez bien la tête. Voilà. Alors, vous allez.
aller, on va rester dans la même position, mais le même côté. Je vais venir mettre ma main ici. Et je vais chercher à monter et tu reviens. J'inspire vers le haut et j'expire quand je reviens. Je vais chercher loin en ouverture avec mon dos. Allez, contractez bien, on commence. On y va. Inspire et expire. Et on inspire et on expire. Allez, ouvrez le plus possible sur le dos. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche tranquille, on relâche, vous posez le front, on y arrive sur le sol, on relâche les bras, les mains, les poignets. Et doucement, je repousse dans le sol, je vais me placer pour faire l'autre côté. Allez, là, cette fois-ci, moi, je vais me mettre sur les coins. On repousse dans le tapis, attention à votre ventre, à la tête. On amène le genou vers l'avant-bras. Vous rappelez, je tends et j'amène mon genou. Vous ne voyez peut-être pas. Je change. Allez, go. Je tends et j'amène. Voilà. Je souffle, inspire. Ou l'inverse à partir du moment où vous respirez. Allez, engagez la taille là. 5, 4, 3, 2, et on reste là. Petit 5, 4, 3. 2, 1, on relâche. Allez, on se replace tout doucement. Vous rappelez l'autre? On met la main là derrière sa tête. Et on y va, on cherche à bien lever et on s'enroule. Contractez bien vos abdos. On inspire, on souffle. J'inspire. Allez, on ouvre au maximum. Cinq. Quatre. 3, 2, 1, et vous relâchez. Allez, si vous pouvez, vous prendre sur votre tapis. On relâche les bras, les mains. Et doucement, je ramène les mains vers mes genoux, je me rouvre vers. Yes. Je prends la température à côté, je regarde s'il est encore avec nous ou pas. Allez, je me rapproche un peu. On repart pour quelques abdos. Ça va? Allez, courage. On y va. On se replace sur le dos. Sur le dos. Là, toujours pareil. Je peux protéger mon dos ou pas. Je mets les mains ou pas. Je vais tendre mes jambes et je fléchis, je tends, je fléchis, je tends. Je rentre bien me nourrir vers mon tapis. On détend ses épaules. C'est pour ça que si on peut avoir les bras là, je préfère. Mais bon, si vous préférez les avoir sous les fesses, si ça vous rassure, mettez-les sous les fesses, mais crispez pas les épaules. Ah.
Allez, 8. 7. 6. 5. 4. Allez, courage. 3. 2. Et le dernier. Relâchez en pose d'un pied et après l'autre sur le sol. Relâchez vos jambes. Vous pouvez les mettre en papillon, en ouvrir, en rouille. Comme vous voulez, on relâche un petit peu ses jambes, on souffle. Ok. Allez, on les referme. Il reste encore une série avant le stretch. Courage. Même position des jambes, je les tends. Sauf que là, je vais fléchir une et après l'autre. On alternique. Allez. On souffle bien, ça doit tirer un peu dans les cuisses aussi. 5. Toujours pareil au niveau des épaules. 4. 3. 2. 1. Pardon. Et on repose doucement le pied. Et hop de l'autre. On relâche, on s'étire. Allez, tirez-vous. Vous pouvez tirer sur les côtés. Perfect. Et vous relâchez vos jambes. Et vous avez gagné le stretch. Pas bon ça? Donc pour le stretch, vous pouvez garder vos chaussures ou alors les enlever, peu importe, quand vous êtes chez vous. Faites ce que vous voulez. Je vous cale la musique. On va rester sur le dos. Tranquille. Allez. Allez, vous allez coller vos pieds l'un contre l'autre et laisser ouvrir vos jambes. On va travailler l'intérieur des cuisses tout à l'heure, on laisse aller. Allez, relâchez. On respire à fond. Et on va tout doucement ramener le genou vers le plafond. Quand vous venez chercher, on l'amène contre la poitrine. Vous faites glisser la jambe opposée sur le sol. Et vous collez le genou contre vous. Détendez les épaules. On va accompagner tout doucement son pied vers le tapis. On va chercher l'autre, on l'amène contre le sol. Et relâchez tout doucement la jambe opposée. Allez, respirez à fond. On va ramener les deux genoux et vous les gardez le plus près possible de votre poitrine. Vous ouvrez les bras sur les côtés et doucement vous allez laisser partir vos genoux sur un côté. Tranquillement, vous relâchez vos jambes, vous relâchez vos hanches et on tourne la tête dans le sens opposé. Gardez les épaules basses au plafond. On va ramener tout doucement sa tête dans l'axe. Un genou vers le plafond, puis l'autre. Vous le remettez contre vous, vous calmez bien votre dos. Et on va doucement faire la même chose de l'autre côté. Je laisse partir mes genoux.
relâche mes hanches, mes jambes. Si ça tire dans le corps opposé, là, je le descends. Sinon, je le laisse. Et je tourne ma tête. Allez, relâchez bien. On va remettre sa tête tranquillement. Je viens remettre un genou puis l'autre. Et je viens déposer un pied sur mon tapis. On va passer doucement sur un côté. Je vais venir placer ma main droite en dessous de mon nez. La main gauche, je viens la glisser ici. Et doucement, je viens, si je peux, déposer ma tête sur mon tapis. D'accord, vous voyez? Je garde bien les fesses au-dessus de mes genoux. Et je relâche. Je repousse dans le sol avec ma main pour venir sentir mon bras. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens glisser ma main. Si je peux, je décroise ma tête. Mon corps, je relâche. Et vous repoussez dans le sol avec la main, et on pousse les fesses sur les talons, j'ouvre mes genoux, et je vais aller étirer mon dos. Si je ne veux pas avoir les fesses sur les talons, c'est pas grave. J'ai le droit de même caler quelque chose dessous. Garder les fesses en l'air, c'est pas un souci, mais étirer le dos maximum. On pousse la poitrine vers le sol. Vous allez ramener tout doucement les mains vers vos genoux. On va repousser dans le sol, enrouler son dos. Ouais. Vous allez venir crocheter vos orteils derrière pour vous mettre accroupi. Et vous allez enrouler tout doucement votre dos. Ou alors monter en chevalier serpent comme vous voulez. Je vais rebouger un petit peu l'écran. Yes. Je vais me mettre de profil. Vous allez écarter vos jambes. Crochetez vos mains derrière votre dos là. Vous êtes bien en bas du dos. Vous écartez vos pieds. On va pousser les fesses en descendant de vos plats. On enroule sa tête. Laissez arrondir vos épaules. Et là, on va monter les bras vers la tête. On peut fléchir un peu les jambes si c'est trop difficile. On vient doucement reposer les mains sur le bas du dos. Je trouve ma tête, j'allonge mon dos. Et j'inspire doucement, je me retourne en plat. Je me remets de face, gardez les jambes écartées. On va venir tout doucement se mettre ici, les mains autour des genoux. Et vous allez pousser vos épaules vers l'avant, sur le côté. On va relâcher un petit peu sa tête. On revient tout doucement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je pousse mon col. Changez pas de verre sur les jambes. Ok, on revient ici. On est toujours en dos plat. Mets les mains au sol. Relâchez la tête. Relâchez le dos. On va venir amener les pointes de pied, les talons.
Trop le buste, on garde le buste bien droit. Et je change doucement. Voilà, soufflez, poussez en haut et vers le bas. On va voir ça une fois de chaque côté. On pousse en haut et vers le bas. Voilà. Et le dernier. Super. Allez, on rapproche légèrement les pieds. On va venir tout doucement pencher sa tête sur un côté. On laisse aller le poids de la tête. Relâchez vos épaules. Ramenez votre tête tout doucement. Voilà, si on fait la même chose. Sans monter l'épaule opposée, relâchez. On la ramène tranquillement. Et on va inspirer, on lève un bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, inspire encore et on souffle, on relâche. Ok, la même chose à l'autre côté. Inspire jusqu'au bout des doigts. Et on souffle, on relâche. Ok, je déverrouille un peu mes genoux, je serre le ventre. On inspire et on souffle, on relâche. Encore, inspirez. Et soufflez, relâchez. Et le dernier fois, j'inspire. Je regarde dans mes doigts et je relâche. Yes! Bravo à tout le monde! Alors, comment ça s'est passé à la...